Vas-y. Alors, c'est le cours numéro 119 d'Hilchot Shabbat. Voilà. Et le sujet, c'est on termine Hilchot Kiddush. Très bien. Voilà, quelques shiurim. Contraire de Hilchot Kiddush, on va terminer les Hilchot Hashem ce soir. Il reste encore quelques halakhot sur Kiddush. Top. La semaine dernière, on s'était arrêté dans Hilchot de Kiddush. On a dit, Kiddush, c'est une mitzvah de la Torah. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Selon la Torah, ça suffit juste de dire, de mentionner le jour du Shabbat, et c'est tout, on est quitte. On a mentionné, on a dit, il faut que la parole. Très bien. Viennent les Chachamim, ils ont fait tout un tas de chizukim, de renforcement à cette mitzvah-là. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont institué la manière de faire la mitzvah. Les Chachamim, des fois aussi, nous. Ils instituent la manière comment on accomplit la mitzvah. Donc, il y a une bracha, comme on a dit, le nosar, comme on a expliqué la semaine dernière, Baruch Ata Hashem, Asher Kiddeshanu beMitzvotav, c'est une bracha d'une mitzvah, c'est une mitzvah de faire le kiddush, qui se termine par Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Deuxième chose, Chachamim ont dit, d'instituer, de faire ça sur du vin, Yaïn. D'accord? Bon, on va encore voir plusieurs choses que les Chachamim ont rajoutées dans la mitzvah de Kiddush. Mais justement, la semaine dernière, on s'est arrêté que ce n'est pas seulement le vin, c'est aussi le pain. Ça veut dire, l'idée, c'est de mentionner le Kiddush sur quelque chose de chashuv, important. Donc, il y a deux choses, le pain ou le vin. Alors, c'est sûr que les Khatrila, il faut préférer le vin. Parce qu'il y a des avis qui disent que le pain, ça ne marche pas. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, le pain, ça marche. Seulement, c'est mieux d'aller sur quelque chose qui est à la base instituée et qui est reconnu de tous, c'est le vin. Quand est-ce qu'on va avoir recours au pain? Si jamais quelqu'un, médicalement, il peut pas boire ni de vin ni de jus de raisin, ou bien il n'a pas, d'accord, il s'est retrouvé sans. Mais si quelqu'un fait quand même sur le pain parce qu'il préfère le pain que le vin, ce n'est pas interdit, mais les khatrila, on doit faire sur du vin. D'autant plus qu'à l'Alpi Kabbalah, il y a d'Afka, il faut faire seulement sur du vin, selon la Kabbalah. Donc il y a beaucoup de raisons de faire seulement sur du vin. Seulement si on est arrivé dans un cas où on n'a pas du tout, ou bien c'est la personne ne peut pas du tout boire ni vin ni jus de raisin, alors elle fera sur du vin, elle fera sur du pain. Et la manière, on a expliqué ça l'année, ça se déroule comme sur le kiddush. Ça veut dire on prend le pain, on fait d'abord Netilah avant le kiddush. Normalement on fait kiddush, on fait Netilah après kiddush, parce qu'on boit le vin avant le pain. C'est une des raisons, rappelez-vous, pourquoi on doit couvrir le pain. Parce qu'on devance, c'est pas normal, on doit devancer le pain au vin. Le motzi, il est avant à Geffen, dans l'ordre des brachot. Seulement là, puisqu'on décide de faire la mitzvah des Chachamim, donc on couvre le pain, c'est une des raisons. Donc on fait netilat yadaim, après le kiddush. Mais là, si quelqu'un il fait kiddush sur du pain, alors il fait netilat yadaim avant le kiddush. Il fait netilat yadaim, il s'installe, il prend les deux pains, et il dit tout le nosar, Veichulu Hashamayim Ve'aretz, Baruch, au lieu de la bourrée prégéfen, il fait Motsi Lecha Min Haaretz, après il dit Baruch HaTashem, Asher Kiddushanu, Mekadesh HaShabbat, il coupe le pain et il partage à tout le monde. On a dit aussi que s'il n'y a pas de pain, alors on peut faire sur du pâte, sur du mézonot. Pour l'instant, qui est 240 grammes de Kvi'ut Seouda sur du Maisonnotte, et donc maintenant ça devient amotzi. Tout ce qui est bière, alcool, on a parlé de ça aussi, on a dit qu'il y a une marloquette là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une douche du vendredi soir sur un alcool qui est autre que le vin? Il y a un avis que oui, il y a un autre avis que non. Là, la halakha est qu'on ne fait pas le vendredi soir parce que c'est mitzvah minatora, ça fait que de oraita. Et donc, le matin, on va voir que oui, on peut être mekel de faire sur un alcool. Mais le soir, le vendredi soir, c'est que sur du vin. Ou du Encore un autre sujet qu'on a vu, c'est les différentes sortes de vin. Après, on a vu que les khatrila, il faut prendre du vin rouge, pas du vin blanc. Rouge rosé. S'il n'y a pas, vous voyez qu'on est quitte sur du vin blanc. Mais les khatrila, il faut chercher du vin rouge. Encore une autre omra qui est sur le vin, c'est bien. Savoir, c'est plus une khumra qu'une halakha. C'est bien de chercher du vin qui n'est pas cuit. C'est-à-dire, yaïn lo mevushal. C'est-à-dire que si on est au magasin, d'accord, et qu'on veut acheter du vin pour le kiddush,
Alors, il y a deux bouteilles. Il y a du vin qui est cuit et du vin qui n'est pas cuit. C'est mieux de prendre du vin qui n'est pas cuit. Maintenant, c'est une khumra. La halakha, c'est pareil les deux. Mais vin blanc et jus de raisin, vous savez que le jus de raisin rouge, ouais. Le jus de raisin, c'est mieux. Parce que la mala du rouge, elle est par rapport au kidouche, il n'y a aucune différence entre jus de raisin et vin. Les deux, c'est rachou, mais vous savez que le jus de raisin rouge, c'est mieux que du vin blanc. Encore une fois sur les vins, du vin qui est l'homme et bouchal. Pourquoi? Vin qui n'est pas cuit. Pourquoi? Il y a le Rambam. Il y a l'avis de le Rambam. Il pense qu'on ne fait pas kiddush sur du vin qui est cuit. Pourquoi? Parce que le vin qui est cuit, on ne peut pas le verser sur le misbéach. Avec tous les jours, on versait sur le misbéach du vin. Au moment où on faisait les korbanot, au temps du Beth Amikdash. Et là-bas, le vin qui est cuit est pas soul pour le misbéach. Donc, maintenant, quel rapport avec le kiddush? Il y en a qui font le rapport entre les deux. Donc, puisque pour être sûr que pour aller selon tous les avis, c'est comme ça les khumrot. Khumrot, c'est faire quelque chose qui est que tout le monde est d'accord que c'est bon. C'est bien de prendre du vin qui n'est pas cuit. Et non, mebouchal. Bon, si on n'a pas de vin mebouchal, vous avez que les khatrila, si on peut faire. C'est juste une khumrot. Bien fait. Ça, c'est pour le titre de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'appelle vin? Donc, on a dit ou vin ou pain. Très bien. Maintenant, un autre sujet. On a encore un petit peu parlé de ça la semaine dernière. Encore un autre renforcement, encore un autre izouk de Chazal, de Chachamim. Chachamim, pour donner l'importance au kiddush, ils ont dit une halakha qu'on n'a pas le droit de manger avant le kiddush. Ni manger, ni boire, et même de l'eau. Dès que Shabbat rentre, d'accord, c'est dès que la personne a fait Arvit, et a été mikabel sur le Shabbat, on ne peut pas ni manger, ni boire, avant de commencer le kiddush. Pourquoi Chachamim on fait ça? Pour faire une barrière, pour être sûr qu'on fait le kiddush comme il faut. Si jamais on peut manger, on risque de manger, de boire et d'oublier. Donc il y a un interdit des Chachamim de boire, de manger, et même de boire, même de l'eau, avant le kiddush. Il faut d'abord faire kiddush, et après on peut manger et boire. On a vu, si vous vous rappelez, qu'on a étudié la halakhot de la Katnerot, on a dit que si jamais on reçoit Shabbat au plag, et on n'a pas encore fait vraiment Arvit, donc, par rapport aux mélachot de Shabbat, on n'a plus le droit de faire les mélachot de Shabbat. Mais, boire de l'eau ou manger à rail, le roi va dire à Sef, il est mekel de manger. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à recevoir vraiment comme un tzibour, recevoir vraiment la Kabbalah de Shabbat. Il y a une petite différence. Vin et Mehouchal. Encore une fois, question de Jonathan. Ah, les gars. Chat. Vin mebouchal et jus de raisin non mebouchal. Jus de raisin non mebouchal, c'est mieux. Ouais. Question intéressante. Ah, ça, j'aurais pas cru. Ça arrive, ça peut arriver, ça. Mmh. Ouais. Moi, j'aurais pris du vin. Très bien. Quoique. Laisse-moi réfléchir juste dessus. Mais jus de raisin non plus, on pouvait pas faire de libation. Ouais, est-ce qu'on peut amener le jus de raisin au misbéach? L'anéloïde, le jus de raisin, il n'est pas cuit. Il faut regarder dans la croix des corbanotes. Est-ce que le jus de raisin... Si le jus de raisin, c'est aussi pas saoul, donc les deux, ça revient en même. Ouais. Quoique mebouchal, moi j'ai l'impression... Il faut jouer, je vais vérifier ça dans les croix d'un corbanote. Tout ça, c'est pas à la fin, encore une fois. Ouais, c'est khumra, hein. Si quelqu'un il veut faire la khumra d'un vin qui n'est pas mebouchal, alors qu'est-ce qui est mieux? Un jus de raisin non mebouchal et un vin mebouchal? L'odeur. Je vérifie dans le code corbanote, est-ce qu'on peut mettre du jus de raisin sur le misbéach? Est-ce que c'est que du vin nafra? L'odeur. Et quand on dit vin blanc non plus, on ne pouvait pas l'amener sur le misbéach? L'odeur. Apparemment, c'était du vin rouge. Mais le vin blanc, c'est une autre idée. Le vin blanc, c'est une autre raison. C'est pas quelque chose au misbéach. Le vin blanc, même s'il n'est pas mebouchal, on dit que l'essentiel du vin, la chachivout, l'importance du vin, c'est le vin qui est rouge. Donc, normalement, je n'ai pas vérifié ça aussi, mais normalement, le vin qu'il y avait au misbéach, c'est du vin rouge. Mais là, on rentre dans un autre sujet. Le mebouchal ou le mebouchal. Top. Je vais vérifier ça, je vous dirai, mais ça. Merci. On revient au sujet de on n'a pas le droit de goûter. Donc il y a une différence. Si on a reçu Shabbat Mibéodium et qu'on a très soif ou pas,
Alors là, on peut goûter et manger tant que c'est pas encore, tant que le coucher du soleil n'est pas encore arrivé. Dès que c'est le coucher du soleil et automatiquement Shabbat est rentré, là, on ne peut plus ni manger ni boire. D'accord? Ou bien si quelqu'un a fait Arvit avant même le coucher du soleil, donc il a vraiment reçu comme il faut Shabbat, et donc il y a l'interdit des Chachamim qu'on ne peut ni manger ni boire avant le Kiddush. Top. Maintenant, qu'est-ce qui fait quelqu'un qui n'a ni vin et ni pain le vendredi soir? Il n'a pas de vin, il n'a pas de pain, il n'a pas trouvé, il est coincé, peu importe l'idée, le cas, il est dans un cas de figure où il n'a ni vin et ni pain. Qu'est-ce qui fait avec le Mais Kiddush? Kadash Shabbat. Il dit Mais Kadash Shabbat et il mange. Très bien. Il est Mekadesh à Shabbat. En disant Mekadesh à Shabbat, il accomplit le Kiddush de la Torah. Comme on a parlé la semaine dernière à Yom Kippour, où on ne mange pas derrière, au moins on accomplit selon la Torah. Très bien. Mais il n'a pas le droit de manger sans le Kiddush, d'un autre côté. Les Chachamim ont institué qu'il faut faire Kiddush. Même si quelqu'un a dit Mekadesh à Shabbat, il a encore le devoir, selon les Chachamim, de prendre un verre de vin et de faire le Kiddush sur le verre de vin. D'accord? L'idée, elle est comme ça. Quand Chachamim, ils ont institué quelque chose, on est obligé de faire comme ils ont institué. Donc, la personne n'a pas maintenant, il lui manque une condition pour faire le kiddush, c'est le vin et le pain. Il ne peut pas faire sur un alcool, il ne peut rien faire sur quelque chose d'autre. Donc, il est coincé. Qu'est-ce qu'il fait? D'un autre côté, on ne peut pas lui dire de ne pas manger. Alors Je là, l'affaire pense est comme que ça. Ouais. Shabbat c'est Minatora. Le quoi? On est que Shabbat c'est Minatora. Il a fait. Donc, tu dis Ça que passe ça avant. repousse pas, le kiddush ne repousse pas le din de Ronek Shabbat. Voilà. Très bien. C'est la halakha. Vadaï qu'il ne va pas rester à jeun parce qu'il ne peut pas faire kiddush. Mais il mange sans kiddush. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que puisque je n'ai pas de vin et de pain, donc je vais faire kiddush sur autre chose. Non, il fera sans kiddush, il mange sans kiddush. Le lendemain, si jamais il a une possibilité ou de trouver du vin, ou il va au Beth Knesset, peu importe, il se débrouille pour avoir du vin ou du pain. Il fera le kiddush du vendredi soir, Shabbat matin. D'accord? Ou bien plus tard même. Est-ce qu'il a le D'accord? droit de boire? Il peut boire un café avant? Non. Dès qu'il a maintenant une possibilité de faire kiddush, alors l'interdit de manger, il revient. D'accord? Dès qu'il a tout ce qu'on a permis de manger, c'est quand il est dans l'impossibilité de faire kiddush. Il y a même des poskim qui disent que si quelqu'un il a un doute, et il peut se débrouiller en attendant quelques heures, et bien il attend. Et tout ce qu'on a permis, c'est quand il va rester affamé toute la soirée. Mais s'il a le temps, il a une possibilité d'avoir dans 1 heure ou 2 du pain ou du vin, qu'il attende. D'accord? Peut-être pour les enfants, on va voir que pour les enfants, on va parler de ça, mais pour les enfants, il n'y a pas cette halakha de manger avant qu'ils douchent. C'est-à-dire, je l'explique. On a fait un des shiurim il y a quelques mois. Le din d'un katan. Vous vous rappelez, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant le Shabbat? Et là-bas, je crois qu'on a parlé de ça ensemble. Et là-bas, on a dit comme ça, que quand c'est un interdit des Rabbanan et que c'est pour l'enfant, on a le droit. Alors, il y avait le Rashba. Vous vous rappelez le fameux Rashba. Le Rashba, il dit qu'on peut donner un interdit des Rabbanan quand c'est pour le besoin de l'enfant, pas quand c'est pour un adulte. Si un enfant a faim, d'accord, on va dire il est au Beth Knesset, il a très soif. Et un enfant, je parle, qui a même 8, 9, 10 ans, 11 ans, ouais, qui est. Quel rapport chez nous ici? Comment t'es arrivé à chez nous? On n'avait pas dit qu'on pouvait faire avec oui, des rabananes Ah pour un oui, dans les enfant. mélachot, ouais, dans les mélachot. D'accord, non, maintenant, je ne parle pas d'une mélachot. Il y a un issour des rabananes de manger avant qu'il douche. D'accord, c'est interdit des rabananes, ça, c'est pas de la Torah. Et c'est pour l'enfant. Alors là, il y a un chidouche, il y a des poskim qui disent que il y a les interdits qui sont liés avec le temps, avec le zman, d'accord? C'est-à-dire, quelque chose qui est taref, derabanan, ça on ne donne pas à un enfant même si c'est pour lui. D'accord? Le rajba il permet, la halakha elle ne contient pas comme le rajba. Maintenant, lorsque l'interdit n'est pas par rapport à lui-même, il est à cause d'un temps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié avec le temps. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a kiddush, c'est interdit. Donc, c'est pas que c'est moins grave. L'interdit ici, il est moins grave. C'est pas quelque chose qui est de lui-même taref et interdit par lui-même. Alors là, il y a des poskim qui permettent. Donc, on a le rajba plus ces poskim. Les deux ensemble, ça fait qu'on peut donner à un enfant, si l'enfant a faim, bien sûr. Je ne sais pas qu'il veut des bonbons, des chocolats, des choses simples pour manger. Si l'enfant se plaint et il a faim,
on a le droit à l'echatrila de lui donner à manger avant qu'il douche. Il n'y a pas de issour de donner à l'enfant de lui donner à manger avant qu'il douche. Il n'y a pas de issour. Comme ça, le Magen Avraham est posé. Donc, si un enfant a faim, on ne lui dit pas reste affamé jusqu'au qu'il douche en tant que rinour. On n'est pas obligé d'être mechaner koto là-dessus. Donc, maintenant, je parle d'un adulte maintenant. Un adulte, s'il sait que dans une heure ou deux, il va avoir du vin ou du pain, je ne sais pas, un voisin, il va trouver, alors qu'il attend. S'il sait que la soirée, il ne va pas trouver, il va trouver ça que le lendemain matin, qui mange sans qu'il douche? Parce que le Onek Shabbat, il ne va pas dire à quelqu'un reste affamé tout le vendredi soir. Il mange, mais sans qu'il douche, parce qu'il ne peut pas faire le qu'il douche. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il attendra le lendemain. Dès qu'il aura une possibilité de faire qu'il douche, alors toute la halakhot du qu'il douche, il revient. Donc, il ne mange pas avant. Et il fera qu'il douche. Et le qui douche du vendredi soir, il fera Shabbat matin. Parce que le qui douche, c'est une mitzvah de faire. Cette mitzvah, elle est sur tout le Shabbat. Nous, on fait à l'entrée de Shabbat. Mais si quelqu'un n'a pas pu faire ça à l'entrée de Shabbat, exemple, il était malade, il a dormi, il est fatigué, il a dormi, il s'est réveillé Shabbat matin. Donc le qui douche, il est merkouillable de faire qui douche le Shabbat matin. S'il n'a pas pu faire jusqu'à Shabbat après-midi, eh ben, il a le chiouf sur lui de faire le qui douche, l'obligation sur lui de faire qui douche pendant tout le Shabbat. S'il n'a pas fait vendredi soir, Shabbat matin. S'il n'a pas fait Shabbat matin, Shabbat après-midi. Donc, dans ce cas de figure où il n'avait pas de pain et de vin, il ne pouvait pas faire techniquement qu'il douche et il a quand même mangé. Alors, ce n'est pas grave, le lendemain, il fera qu'il douche. Qu'il douche le long qu'il douche. C'est-à-dire, peut-être pas Vayekhulu, parce que Vayekhulu, ça n'a plus rien à voir avec le matin, mais il fera vous repérez à Geffen, Baruchat HaShem, Machar Kideshanou, Mekadesh HaShabbat, et il boit du vin. Il fait le qu'il douche du vendredi soir, Shabbat matin. Top. Maintenant. Quelqu'un qui a oublié de faire kiddush. Il est rentré à... Il avait très faim, peu importe le cas de figure. Ouais, il rentre chez lui, il mange. Il se met à table, il mange, il a complètement oublié de faire kiddush. Et il se rappelle, en plein milieu du repas, qu'il n'a pas fait kiddush. Quelle est la halakha? Il fait kiddush. Il s'arrête et il fait kiddush. Dès qu'il se rappelle qu'il n'a pas fait kiddush, donc maintenant il a le chiouf de faire kiddush, il a de quoi faire kiddush. Donc là, il a tout de suite l'obligation, il a une obligation de faire kiddush au milieu de la Seouda, et il continue sa Seouda. D'accord? Si maintenant il a terminé son repas, il a terminé, il fait Birkat Amazon, ouais, et il se rend compte qu'il n'a pas fait kiddush. Il fait Birkat Amazon avec Retsé? Oui, ouais, Retsé, ça n'a rien à voir avec kiddush. Retsé, on va voir, ça c'est par rapport à la Seouda de Shabbat. Donc, même s'il n'a pas fait kiddush, il a fait la mitzvah de Seouda de Shabbat. Oui, mais il fait rester à Rahaman. Il mentionne à Shabbat, dans le Rahaman de Shabbat. Ouais, et alors? C'est le principe du kiddush? Non. Enfin, le kiddush, on a dit. Zachor. Oui, Zachor, Minatora peut-être, mais les Rahamim, il y a encore une fois. La mitzvah de kiddush, une fois que Rahamim ont institué qu'on fait ça sur du vin, alors on ne peut pas le faire seulement en Shabbat. On est obligé de faire comme ce que les Rahamim ont institué. Et bien, il fait kiddush et il fait à la Geffen, d'après la Geffen. Ça veut dire qu'il prend un verre de vin, dès qu'il a terminé Birkat Amazon, et il fera le kiddush. Juste dans le cas précédent, il fait Macharona avant de faire le kiddush, quand c'est au milieu de sa Seouda. Ah, très bien. Lorsqu'on boit, ça c'est le Chot Brachot. Alors, juste, on n'a pas encore parlé par rapport au Brachot. Quand on boit un verre de vin, normalement, on doit faire à la Geffen, d'après la Geffen. Ron? Oui. Quand on fait kiddush, on ne fait pas à la Geffen et après la Geffen en dernière bracha. Alors quand est-ce qu'on fait la bracha charona du vin? Alors, d'après les chot de brachot, c'est inclus dans le birkat Amazon. C'est-à-dire que le birkat Amazon que je veux faire, il va rendre quitte tout ce que j'ai mangé dans le repas et même le vin que j'ai mangé avant le repas. D'accord? C'est pas dans tous les aliments ça, c'est spécial dans pas mal de choses, mais une des choses c'est le vin. On ne va pas rentrer dans tous les détails maintenant parce que le vin, il attire le fait de manger. Donc, c'est lié au repas. D'autant plus que le kiddush, il est lié au repas. Donc, tout verre de vin. D'un autre côté, le kiddush, le vin, il a une particularité que si, par exemple, si quelqu'un boit un verre d'eau ou un verre de jus dans le repas, il ne fait pas chez Akol. Ça se rend quitte avec la bracha de Hamotzi. Tandis que s'il fait un verre de vin au milieu du repas, il doit faire à Geffen. Il doit faire pour repérer Geffen. Pourquoi? Parce que le vin, c'est important. C'est encore une fois la même idée. Et ça ne s'annule pas par rapport au pain. Donc, quoi qu'il arrive, on fait à Geffen au repas. Dans le kiddush, on fait à Geffen avant le repas.
D'accord? Si quelqu'un, il veut boire du vin dans le repas, est-ce qu'il fait à Geffen? S'il a fait Kiddush avant? Non. Vous me suivez là ou je vais trop vite? Pas besoin, il a fait Geffen avant. Il a fait Geffen avant. Si j'ai fait, il a fait. Quand on fait Geffen avant, et donc forcément, on sait qu'on va boire encore du vin dans la Seouda. Donc le Geffen qui est avant le repas, il rend quitte le Geffen du repas. Mais dans ce cas de figure qu'on a vu, où quelqu'un il fait Kiddush au milieu du repas, donc il n'a pas bu du vin avant le repas, donc là il fait Bourré Péré à Geffen au milieu du repas. À la Dans le cas que vous Geffen. avez donné, je savais pas s'il Quoi? avait fait. Dans le cas que vous avez donné, je savais pas s'il avait fait moutsi ou si juste il a mangé sans faire moutsi. Non, non, il a commencé son repas avec Motsi et Akol. D'accord, Seulement, avec il a moutsi. oublié. Ouais, Jonathan, complique pas les choses. Il a oublié de faire Kiddush. Ouais. Il a oublié de faire Kiddush. Simple, il s'est mis à table, il a mangé de son repas, il a oublié. Donc, on a dit que ça n'a pas le droit de manger avant. D'accord, il a oublié. Il a mangé avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le devoir, dès qu'il se rappelle, de faire Kiddush au milieu du repas, de s'arrêter, de faire Kiddush et de continuer son repas. D'accord? C'est bon? Il a fait. Si maintenant il s'est rappelé 1 heure après le repas, il a fini son repas, il a fait Birkat Amazon, et il se rappelle avant de dormir, ah, j'ai pas fait Kiddush. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait qu'il douche à la Guessen, on a vu. Il doit refaire Moutsi. Il doit, ah, la question là. Est-ce qu'il doit refaire Moti? Ben, est-ce que le vin, il est Covea, c'est Ouda? Ah, il a fait. Alors là, on rentre dans un autre sujet. Ça, c'est un sujet qu'on va voir aujourd'hui à la fin du shiur. Il y a encore une autre condition pour que le kiddush soit valable. Ça s'appelle En kiddush Ela Bimkom Seouda. Ça veut dire faire kiddush que sur un verre de vin, c'est pas bon encore. Il faut qu'il y ait derrière ça une Seouda. Donc si maintenant, on va expliquer ça plus tard, d'accord, dans la fin du shiur. Dans notre cas précis, si la personne elle s'est rappelée 1 heure après la fin du repas, c'est-à-dire il est déjà déconnecté de la Seouda, il doit faire Kiddush. Dès qu'il se rappelle, il doit faire Kiddush. Il ne dit pas j'attends demain matin pour faire Kiddush. Il a une mitzvah, il doit l'accomplir tout de suite. Donc il prend un verre de vin, il fait Kiddush et il doit manger au moins kazaït de gâteau, de maisonnotes. Et pourquoi 1 heure? Si c'est Non, juste je donne un après. exemple. Je Oui, donne un d'accord. exemple. Dès Ouais. qu'il termine Moutsi, en fait. Non, dès qu'il termine Birkat Amazon. Non, alors justement, c'est pour ça que je dis. Le chidouche, il est comme ça. Ça, c'est ce chidouche-là, c'est dans Maserhet Tsachim. Les halakhot de Kiddush, ils se situent Beikar, en particulier dans la dernière Perek de la Maserhet de Tsachim. Là-bas, il y a pas mal de souviotes là-dessus. Ça, c'est Perek Arve Tsachim, il s'appelle. C'est le 10e Perek de la Maserhet. Et là-bas, il y a le Tosfot, ils ont Mechatchim, que quoi? Que si quelqu'un termine sa Seouda, d'accord? Et tout de suite enchaîne avec le Kiddush, même si la Seouda il a faite avant, ça s'appelle Bimkom Seouda. Ça veut dire, dès que mon Kiddush il est dans un contexte d'une Seouda, même s'il est après la Seouda, après ou avant, c'est bon. Par contre, si l'exemple que j'ai donné était 1 heure après la Seouda, là mon Kiddush il est déconnecté de la Seouda. Donc il est obligé d'avoir une Seouda. Et le minimum de Seouda pour que le Kiddush soit valable, c'est un kazaït de mezonot. D'accord? Mouvan? Ça, c'est un chidouche. Le chidouche, il est même quand j'ai terminé mon repas et que j'ai fait Birkat Amazon, si j'enchaîne directement avec le chidouche, on va considérer la Seouda qui vient de se passer comme chidouche bimkom Seouda. D'accord? Mais si je suis déjà. Quand je dis 1 heure, ça peut être une demi-heure. Ouais, je ne sais pas exactement comment le temps exactement pour considérer que c'est déconnecté. On va dire une demi-heure et plus. En général, dans la halakha, toujours une demi-heure, c'est des choses qui se réfèrent à ce qu'il y avait avant. Si une demi-heure est passée, donc c'est déjà déconnecté de la Seouda, donc il doit manger, il doit faire kiddush et manger derrière un kazaït de gâteau. Pour que, comme on va voir par la suite, que ce kazaït de gâteau, c'est considéré comme Seouda pour la halakha de kiddush bimkom Il a fait. Une question qui me vient, un enfant qui n'a pas entendu qu'il bouge parce qu'il s'est endormi, il faut lui refaire le lendemain matin. On
on peut lui demander à l'enfant de faire lui-même. Hein, parce que moi, le rendre kit, je n'ai pas un din de Arvut. Si moi, j'ai déjà fait Kiddush, je ne peux pas refaire pour un enfant. Parce que ce qu'on a parlé la semaine dernière, que si quelqu'un, même si moi, j'ai déjà fait Kiddush et que je veux rendre kit quelqu'un, c'est pour quelqu'un qui a le priou, l'obligation. Là, c'est juste mitzat rinour. Donc, moi, refaire pour un enfant, je ne pourrais pas lui refaire. Donc, le mieux, c'est de lui donner un verre de vin et de lui dire, vas-y, lis, prends le sidour et fais mitzvah trinour. D'accord? On continue. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est sur quoi on fait kiddush. On a parlé aussi de l'interdit de manger avant kiddush. On a vu tous les cas de figure de quelqu'un qui a oublié de faire kiddush ou qui n'a pas de quoi faire kiddush. Maintenant, on va parler du verre du kiddush. Ça aussi, il y a la chôte. Comment le verre, la quantité de vin, d'accord? Il y a encore beaucoup d'alakhot. Il y a beaucoup d'alakhot, comment on fait le kiddush? On y va. Premièrement, il y a le shiur. Shiur, c'est la mesure. La mesure minimale dans toutes les choses où on a une mitzvah à faire avec une boisson, avec kiddush, c'est revi'it. Revi'it, c'est 8,6 centilitres. D'accord? 86 centimètres cubes. 8,6 centilitres. Ça, c'est le chiour de Revi'it. Donc, il faut un verre qui soit minimum de 8,6, qui contient 8,6 centilitres. Deuxième halakha, il faut que le verre soit plein. Ça veut dire que si on a un verre qui fait plus que ça, en général, les verres, ils sont plus que 8,6, il faut vraiment trouver des tout petits verres. Même si j'ai le chiour de Revi'it, on va dire que j'ai un verre de même de 200 centilitres, peu importe, il faut qu'il soit rempli à ras-bord. D'accord? Pour le kavod de la mitzvah, il faut remplir le verre à ras-bord. Kos yain malé. C'est comme ça qu'on fait la bracha. Al kos yain malé ke birkat Hashem. En fait, c'est des halachot qui concernent le kos shel bracha. Mais c'est pareil. Toutes les halachot qui sont dans le kos shel bracha, c'est le kos qu'on fait lorsqu'on fait zimoun. D'accord? Lorsqu'on fait birkat Amazon. Toutes les halachot qui concernent le verre du kos shel bracha de Birkat Amazon, ils se réfèrent aussi exactement au kos du kiddush. Donc, un revi'it, 8,6 centilitres. Deuxième chose, il faut que le verre de vin soit plein à ras-bord. Troisième chose, il faut qu'il soit propre. C'est-à-dire que s'il est sale, il faut le rincer. D'accord? Pour rincer le verre, c'est une halakha. Tout ça, c'est d'alakhot. On va appeler ça, c'est d'alakhot de Chachamim qui ont fait ça en l'honneur d'une cause où on fait une mitzvah. Donc, puisque c'est un verre et une mitzvah, il y a plusieurs halakhot qui vont faire ça en tant que kavod, pour faire le kavod à la bracha. À part ça, même si le kos, il est nickel, il est propre, alpi kabbalah, c'est bien avant de kiddush de le rincer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire, à part les halakhot ouais, de propreté, de kavod, d'honneur par rapport au verre, il y a aussi des sodot de kabbalah. Donc, même si le verre est parfaitement propre, c'est bien Alpi Kabbalah. Quand je dis Alpi Kabbalah, c'est bon, celui qui veut faire, il fait, celui qui ne veut pas, il ne fait pas. C'est pas Alakha. Hein. C'est bien de rincer le verre, même s'il est propre. Ensuite, on lève le verre de la main droite, sans la main gauche. D'accord? Sur tout le temps du kiddush, il ne faut pas céder de la main gauche, que de la main droite. Et il faut élever le verre d'un tefar au-dessus de la table. D'accord? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne font pas trop attention à cette halakha. C'est-à-dire qu'il faut élever 8 cm de la table. D'accord? L'agbia auto tefar. Il faut le soulever du niveau de la table un tefar, c'est-à-dire minimum 8 cm. Ensuite, si quelqu'un maintenant, il y a un enfant qui a vu un bon verre de jus de raisin, il a dit je veux goûter ça avant. Et il prend le verre, le père il fait les chemiroud, et en attendant, l'enfant il prend un verre et commence à goûter du verre. Alors, on ne peut pas faire kiddush sur ce verre. Le fait que quelqu'un a bu de ce verre, ça a rendu pas goum le verre, le vin. Le vin est devenu détérioré parce qu'on a bu dedans. Et ce n'est pas le kavod, ce n'est pas l'honneur pour une bracha de faire sur du vin où quelqu'un a déjà bu de ce verre. Qu'est-ce qu'on fait? On répare. Comment on répare? On verse du vin sur le verre. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de jeter tout le vin et de remplir un nouveau verre. Non, on prend la bouteille et on verse un petit peu sur le,
verre qui est déjà rempli. Du moment qu'on verse un peu, ça répare la Gemara. Top. À l'époque de la Gemara, il y avait une autre condition dans les halakhot du verre de vin. C'est comme le vin, il était très fort à l'époque. Et on faisait méziga. Méziga, c'est-à-dire qu'on rajoutait de l'eau, on coupait le vin avec de l'eau. Et la Gemara a dit combien on coupait? Il y avait un quart. Ouais. Un gaucher. Un gaucher. Un gaucher, est-ce qu'il prend le vin avec le verre de vin avec la main gauche ou avec la main droite? Ouais, ici, ce n'est pas une raison de. Ouais. Ici, ce n'est pas une raison de gaucher ou droitier. C'est-à-dire, ici, c'est en l'honneur. C'est-à-dire que puisque la main droite, c'est pour la majorité des hommes, c'est la manière de l'importance du verre. C'est-à-dire, ce n'est pas une raison technique ici. Que je tiens mieux avec la main droite que la main gauche. Puisque le kavod du verre de vin, c'est avec la main droite, donc on va d'après selon la majorité des personnes. D'accord? Je vais quand même vérifier s'il y a. Comme ça, je pense. On revient maintenant à notre sujet. Si c'est Méziga, on a dit comme ça. À l'époque de la Gemara, le vin, il était très fort. Et comment on coupait? Il était tellement fort qu'il y avait un quart de vin et trois quarts d'eau. Et on faisait quand même à Geffen. Aujourd'hui, si quelqu'un il prend un quart de vin et trois quarts d'eau, il fait chez Akol, il ne fait pas à Geffen. Parce que notre vin d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le vin de l'époque. Mais à l'époque de la Gemara, le vin, il était très fort. Donc, il y avait forcément que quand on fait Kiddush, il faut faire Méziga. Aujourd'hui, selon la halakha, on n'est plus obligé de faire Méziga, mais Salpi Kabbalah, c'est bien de prendre un petit peu d'eau et de mettre trois petites gouttelettes d'eau, de verser ça dans le verre de vin. Il y a un Sod Badava, ouais, un créneau entre le vin qui est rouge et l'eau qui est blanc, Din Rachamim, il y a le Zohar, il parle de ça. Donc, c'est bien Alpi Kabbalah de verser trois petites gouttes de vin, vraiment un petit peu. Hein, si je mets trop d'eau, si je commence à faire un verre moitié eau, moitié vin, ça va être chez Akol. On ne peut plus faire Kiddush dessus. Donc, il faut mettre dommage quelques petites gouttes d'eau dans le vin, Alpi Kabbalah. Est-ce que je peux faire Kiddush sur un verre en plastique ou en papier, en carton? Les khatrila? Ouais. Parce que ça m'arrange ou parce que j'ai pas le choix? Même si j'ai le choix, on va dire ça comme ça, j'aime bien boire dans un verre en carton. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller jusqu'à la cuisine. J'ai un verre de plastique, peu importe le cas de figure. Est-ce qu'on peut faire kiddush sur un verre en plastique ou en carton? Alors il y a quelques poskim qui veulent interdire ça. Ils considèrent ça comme pagoum. Il y a aussi une halakha qu'on n'a pas dit. Pagoum, si le verre est pagoum, on fait pas kiddush là-dessus. Alors, c'est pas me'akev. Sur Bediavad, on peut faire dessus. Mais le Khatrila, il faut chercher un verre qui n'a pas de défaut. Défaut, ça veut dire qu'il n'a pas de ni cassé, ni avec une fente sur le verre. Ça aussi, c'est le kavod de la bracha de faire un verre en entier. C'est-à-dire, kos pagoum. Tout à l'heure, on a parlé le vin qui est pagoum, si quelqu'un a bu. Mais si le verre aussi, il faut qu'il soit pas pagoum. Le verre, il faut qu'il soit en entier, comme il faut, ni cassé, ni ébréché, ni fissure. Donc, il y en a qui ont voulu apprendre de cette halakha. Que si c'est un verre en carton ou en plastique, il ne tient pas la route. Il est destiné à être jeté. Donc, il est pagoum. Là, à la majorité des poskim, ils disent que c'est valable. Puisque c'est l'habitude des gens de boire un café dans des verres en carton, de boire sans arrêt d'une boisson normale dans des verres en plastique. Donc, ce n'est pas un bgam. Le bgam, il faut que le verre ait un défaut. Mais, khat pe'ami, ce n'est pas un défaut et on peut faire kiddush même sur un verre en plastique. Maintenant, c'est sûr que de la même manière que quand on fait des mitzvot, il y a marqué Ze'eli ve'anvehu, il faut embellir les mitzvot. Donc, c'est bien que l'echatrila de faire kiddush sur un verre en argent ou en or, un verre important, d'accord? Un verre, un cristal, de chercher un beau verre, pas un verre simple. Pour la mitzvah de kiddush, c'est bien de chercher un verre, d'accord? Celui qui va accomplir comme il faut, c'est où des verres en argent. C'est pas assez accessible, c'est bien, c'est un verre miyuka pour qu'il douche en argent. Ça, c'est faire une mitzvah, ça s'appelle Ze'eli ve'anvehu. Quand le Rashi dit là-bas dans la Shirat Hayam, si quelqu'un fait une souka, alors qu'il fait une souka belle, comme il faut, avec des décorations, qu'il veut un loulav, un beau loulav, un beau talit, pareil, mitzvah de kiddush,
Il y a le verre, il y a le vin, c'est partie des mitzvahs du kiddush, un beau verre. Pas chercher un verre en plastique. Mais la halakha, ça marche, c'est bon. On m'avait dit qu'il fallait un verre avec un pied. Avec quoi? Avec un pied. En souvenir du verre de Yosef. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Le cosse qu'avait Yosef, Ouais, Gavia, qu'il a caché, il avait un pied. Et dans la nakhon. gématria, je sais plus, j'avais. Je sais que la gématria du. De, J'ai oublié, faudrait que je retrouve, mais il y avait une relation entre la gématria et le. Dans la Torah, ça s'appelle Gavia. Ouais. La coupe. Ouais, la Ouais. coupe de Binyamin. Mais quel rapport avec la coupe de Binyamin et le Kiddush? Il faut que je retrouve. Je crois que Non. c'est par rapport à la. Par rapport à la gématria de Gavia. Faudrait que je retrouve. Bezat Top. Hachem, je vais chercher. Intéressant, je n'ai jamais entendu ça. Top. Si un moustique touche le verre pendant qu'il douche, où il Ouais. touche? Ouais, où il touche? Il rentre dans le vin? Il se baigne dedans? Je sais pas, tous les cas de figure, oui, voilà, imaginons. Voilà, pendant que j'ai fait un Geffen et pendant la deuxième racha, j'ai un moustique qui touche le vin. Et alors, quel est le problème? Est-ce que je dois refaire, je dois changer le verre, je dois tout refaire, je sais. Ah, est-ce que c'est pagoum? Dans le sens, est-ce que Alors, c'est pagoum? pogem, c'est pas pogem. C'est pas pogem le verre. Gima, c'est que si quelqu'un boit du verre. Bah alors D'accord? le moustique il est Maintenant, tu vivant? demandes peut-être il chote borer, qu'est-ce qu'on fait avec le moustique? Il est On vivant le peut. moustique. Non, imaginons que le moustique est parti. Il a juste comme ça Ah, c'est touché. pas pogem, c'est pas pogem le verre. Dans la chose de pogem du verre, il faut le vin, il faut que c'est quelqu'un qui boit du verre. D'accord? Quelqu'un qui vient et qui boit. Dans la halakha, c'est ce qui a marqué pendant les dîmes de Pgima. D'accord? Et si je retrouve un moustique qui s'est noyé pendant que je faisais kilou, j'ai pas vu. Au milieu de la bracha, je vois qu'il y a une mouche Bien fait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, tu demandes dans une robe borer. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le moustique? Ouais? Ah, faut toujours. Non? On n'est pas obligé de tout Ah bon? jeter. Bah, parce On que. prend une cuillère et on prend le moustique avec la cuillère, Ah, mais avec on un peu enlève de. le mauvais du bon. Ouais, ça c'est Chod Borer. D'après la halakha, on a même le droit de prendre le moustique tel quel, mais là c'est Mouktsé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une cuillère et on l'enlève avec un petit peu de vin. Comme ça, d'après tous les déotes, il n'y a pas de problème. D'accord? On prend une cuillère avec le moustique et avec un peu de vin et on retire. Donc on n'enlève pas le mauvais du bon. Mais comment ça se fait que ça pose pas un problème? De quoi? Je pensais qu'on n'avait pas le droit d'enlever le mauvais du bon pendant Shabbat. Ouais. Dans ça, on a étudié ça en long, en large, dans le Chod Ah, mais j'étais pas Borer. Ouais. Regarde, dans les questions des Shiurim, on a dit en bref que dans, il y a une règle qui dit que dans le là, mais ça, j'ai pas envie de donner cette règle parce que c'est une règle dangereuse. Il faut bien connaître tous les détails. Donc, on va pas expliquer, on va juste dire Ok. comme ça, que enlever le moustique, c'est pas Borer. Ok. Vous allez voir. On revient. Il y a fait. Donc, on a parlé de toutes les dynimes du verre. Donc, une chose qu'il faut dire aussi. Ouais, ensuite, on va arriver à Téhéma. Donc, on résume. Un verre qui contient Révit, 8,6 centilitres. Le verre, il est plein à ras-bord. Le verre, il n'a pas de gamme. C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut. On peut faire sur un verre en plastique. Les khatri, là, il faut faire sur un verre, un beau verre. Zélé, nettoyer s'il est sale. Et Alpi Kabbalah, même propre. L'élever 8 cm de la table avec la main droite. Si quelqu'un a goûté du verre, il faut rajouter du vin dessus. Et Alpi Kabbalah, c'est bien de mettre 3 petites gouttes d'eau dans le verre de vin. Bien fait. Ah, Oui. est-ce que c'est juste une coutume que chacun boive dans le verre du kiddush On ou va c'est parler de ça interdit? tout de suite. On va y arriver tout de suite. On va D'accord. parler maintenant, nouveau sujet. C'est goûter le kiddush. Donc ça, c'est encore une autre des autres, une autre sujet. On a parlé kiddush qu'il faut dire Mekadesh à Shabbat, très bien. Après, on a dit qu'il faut prendre un verre de vin, le verre, le vin, tout ça, quel vin, quel verre, on a déjà parlé. Bien fait. Donc on a un verre de vin comme il faut. Pour que le kiddush soit valable, il faut encore quelque chose. Une autre condition que le Chachamim a rajouté, c'est qu'il faut boire du verre. Si quelqu'un ne boit pas du verre, sauf si je fais kiddush et après je laisse le verre de côté comme ça, j'ai fait tout le kiddush, je ne suis pas yotzé du kiddush. Il faut boire. Combien il faut boire du verre?
L'alakha, elle est melo lugmav, c'est-à-dire le rob du révite, c'est-à-dire la majorité du révite. Donc, si le révite, c'est 8,6, donc le rob du révite, c'est 4,5 centilitres. Ça, c'est le minimum pour être quitte du kiddush. Maintenant, puisque melo lugmav, ça dépend de la taille des personnes, et plus la personne est grande, plus c'est plus que melo lugmav, donc la halakha, c'est conseillé de boire 8,6 centilitres. C'est-à-dire qu'il faut que la personne boive 8,6 centilitres de vin pour être quitte du kiddush. Il faut goûter au kiddush. Si on ne goûte pas au kiddush, on n'est pas yoté, on n'est pas quitte du kiddush. Ensuite, il ne faut pas boire ça, hein, déguster ça. C'est-à-dire, prendre le verre de vin, juste aspirer quelques gouttes, attendre, aspirer encore quelques gouttes, encore, et comme ça, je termine le révite. Il faut boire d'entrée. Ça veut dire le temps de boire un révite normalement. Comme quelqu'un, il boit un verre d'eau, il boit 8,6 centilitres. Combien de temps ça lui met? À peu près 2 secondes, pas plus. 8,6 centilitres, c'est très, très rapide. Donc, s'il déguste comme ça, goutte, goutte après goutte, c'est pas bon. Il faut boire de manière continue. Donc, boire de manière continue. Quelqu'un qui est normal, c'est à peu près, on a dit, c'est le rof du révite. Mais puisqu'on a dit, il y a des différences entre les personnes, une personne qui a des plus grosses lèvres, plus grosses joues, donc c'est 8,6 centilitres boire. Sinon, on n'est pas quitte. Maintenant, s'il y a une vieille personne qui fait qui douche, on revient toujours, on arrive à ce cas de figure. On donne au grand-père ou à l'arrière-grand-père à faire qui douche. D'accord? Maintenant, lui, il ne peut pas boire. Il peut juste mettre ses lèvres, goûter une goutte et c'est tout, il ne peut plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et celui qui fait kiddush, on a dit qu'il faut qu'il goûte 8,6 centilitres, vite. Alors là, la halakha est que Bedi Avad, on peut donner à quelqu'un d'autre. Et cette personne d'autre, elle boit le révite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui boive révite du verre. Puisque après, tout le monde s'est acquitté sur le même verre. Les khatrila, c'est celui qui fait kiddush qui doit boire. Mais quand on est dans un cas de figure, encore aujourd'hui, on rentre dans des histoires de kabod, et de quelqu'un qui risque de se sentir pas bien parce qu'on lui a pas dit de faire kiddush, le chef de famille, il peut pas boire, non? Il fait le kiddush et quelqu'un d'autre, il doit boire le révit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui boive le révit. Dès que on a bu révit, une personne, le khatrila, le mekadesh, ou bedi avad, même quelqu'un d'autre, qui a bu révit du verre, on est quitte de la mitzvah du kiddush. Maintenant, il y a un minag. Ce minag, il est venu. C'est dans la halakha, c'est mouva, bien sûr. Ça, c'est un maminag. De distribuer du vin, d'accord, à tout le monde. D'où ça vient, ça? Alors, on a déjà quitté. Le fait qu'on a bu révite, c'est bon, ça suffit. On n'est pas obligé que tout le monde boive du vin. Ça veut dire que pour la mitzvah du kiddush, je ne suis pas obligé de boire. Dès que quelqu'un a bu et a fait le kiddush sur un verre de vin et tout le monde s'est rendu quitte sur ce verre de vin, on n'est pas obligé de boire. On peut directement faire un étila et passer à la table. Puisque le mitzvah, c'est de se rendre quitte et de répondre Amen à Mekadesh à Shabbat. Quelqu'un a bu parce que la mitzvah est de boire, ça suffit qu'une seule personne boive. Si tout le monde veut boire, alors chacun prend son verre de kiddush et fait son kiddush. Mais si on a décidé qu'une personne fait kiddush, ça suffit pour se rendre quitte qu'une seule personne boive. Alors pourquoi on distribue à tout le monde? Ça, c'est un autre inyan. Ça s'appelle chérir la mitzvah, chibou mitzvah. Puisqu'on a fait mitzvah avec le verre de vin, donc, on veut goûter à la mitzvah. On veut montrer qu'on aime la mitzvah, qu'on chérit la mitzvot. Donc, puisque ce vin-là, c'est un vin de mitzvah, c'est un vin de kiddush, je ne sais pas si c'est un verre de vin. Donc, tout le monde veut goûter au kiddush. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas obligé. Si quelqu'un ne veut pas, il n'aime pas, ou il ne veut pas, il a une raison de me chaler, il n'est pas obligé de goûter. C'est bien de goûter, c'est chibou mitzvah. D'accord? Seulement là, si on veut décider d'être mechavev la mitzvah et de goûter, alors il y a pas mal de conditions. Quelques conditions, on va voir ensemble. Première condition, il faut attendre que le mekadesh, que celui qui fait le kiddush, boive le revit. D'accord? Ça veut dire exemple, cas de figure. Si dans le cas tout à l'heure où celui qui a fait le kiddush, une vieille personne, ne peut pas boire, si on passe à quelqu'un pour boire le revit, si entre-temps quelqu'un il veut juste goûter, il ne peut pas goûter. Parce qu'on goûte et on chérit la mitzvah que quand la mitzvah est terminée. Et terminer la mitzvah de kiddush, c'est boire vite. C'est au moins une personne qui boit vite.
Donc, on ne peut pas goûter avant que quelqu'un ait bu révit. Dès que quelqu'un a bu révit, après, on peut goûter. Ah bah, je peux poser une chéla Ouais, on n'a pas encore parce fini que toutes les conditions. Ouais. Oui, mais sur celle-ci. c'est Pardon, quoi? d'accord. Ouais, Parce que venons termine d'abord toutes les conditions de goûter le kiddush, qu'on voit tout de suite après les questions. Deuxième chose, il ne faut pas parler. C'est-à-dire, si quelqu'un parle, ça veut dire si quelqu'un parle, quelque chose qui n'a rien à voir avec le kiddush. Alors, et après on lui donne, quelqu'un il a fait le kiddush, ça y est, il a fini le kiddush, et après il parle avec d'autres, comment ça va, ma Corée. Et après, le chef de famille distribue à chacun un petit verre pour goûter, et il goûte. Là, il est obligé de refaire, s'il veut goûter, il doit refaire la bracha pour réparer à Geffen. Pourquoi? Parce que dans toutes les brachot, c'est comme ça. Si quelqu'un, il boit un verre d'eau, il dit « Baruch atah Hashem, she'akol nia bidvaro » et il dit à son copain « Comment ça va bien ?» Hop, et après il boit, il ne peut pas boire, ça fait un hefsek. Entre la bracha et le fait de goûter, il doit refaire la bracha. La bracha n'est pas valable. Donc, pareil ici. Si on décide de goûter pour Chivouv Mitzvah, il faut se taire jusqu'à ce que, parce qu'on a répondu Amen à Bracha de Bourré à Geffen, on s'est rendu quitte par à Geffen. Rappelez-vous qu'il faut que celui qui fasse le Kiddush, il rend quitte tout le monde. Donc il rend quitte et du Kiddush et aussi de la Bracha de Bourré à Geffen. Quand il distribue après juste pour goûter pour Chivouv Mitzvah, alors il se tait, on ne parle pas, on se rend quitte de à Geffen et on boit. Si on boit, ça casse. Et on peut plus, il faut refaire, si on veut goûter, il faut refaire. Pour repérer à Geffen. Pas tout le kiddush, que pour repérer à Geffen. Ensuite, il y a quelque chose d'une halakha intéressante, que de la même manière qu'on a dit qu'il faut que le vin ne soit pas pagoum, c'est-à-dire pour faire kiddush, il faut que celui qui fait le kiddush, il ne faut pas que quelqu'un d'autre ait goûté, parce que ça rend pagoum le vin, ça abîme le vin. Alors pareil, il y a des rishonim qui pensent, beaucoup de rishonim, mais c'est comme ça la halakha, que si quelqu'un il veut goûter, il faut aussi que ce soit pas pagoum. Le problème, c'est que celui qui a fait kiddush, il a bu du verre. Donc il a rendu pagoum. Donc comment maintenant il distribue à tout le monde le vin de Chivouv Mitzvah, qui est pagoum? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le verre, le chef de famille, une fois qu'il a bu son revit, il prend la bouteille, il reverse dans le verre pour être metaken. Maintenant, même s'il a mis du nouveau vin qui n'a rien à voir avec le kiddush, mais dans le verre, il y a encore le reste du kiddush, du reste de son kiddush. Et après, il distribuera à tout le monde. Donc, chacun reçoit les restes du kiddush, mais pas goum, parce qu'il a arrangé en versant dessus du vin. Donc, on reprend. Pour être quitte du kiddush, ça suffit qu'une personne boive le revit. Le chatrila, celui qui fait le kiddush. Bediavat, s'il ne veut pas, il donne à quelqu'un d'autre. Et ça suffit, on est quitte. Si maintenant on veut chérir la mitzvah et on veut goûter, alors d'abord celui qui a bu, il a rendu pagoum le vin, donc c'est bien qu'il soit metaken. Il faut qu'il, c'est bien qu'il distribue à tout celui qui veut boire. Et on attend aussi, il ne faut pas goûter avant que celui qui a fait le kiddush ait goûté, avant lui. Et il faut, pour la bracha de Borei Pere HaGefen, ne pas parler, pour ne pas avoir, si jamais on a parlé, de refaire la bracha de Borei Pere HaGefen. Maintenant les questions. Ben, j'en ai une sur chaque point. Vas-y, le commode. Ne changera pas. Non, Alors, c'est bien, on va court, ça. C'est très bien, des questions, ça enrichit le cours. Le commode. j'ai bien compris, il faut attendre que celui qui va boire la majorité du verre ait bu avant Pas que les autres puissent. la majorité du verre. Le révite. Voilà, le meuble, le révite. Ben, appelons-le le goûteur principal. Voilà. Voilà. En général, moi, ce que je vois faire, mais j'imagine qu'il y a plein d'erreurs, quand on laisse quelqu'un d'âgé qui va faire, il va boire un petit peu, ensuite, il va faire kavod, il va donner à son épouse, et après, l'invité qui va faire revit, il passe plus tard. Donc, ça veut dire que celui, en fait, qui fait qui douche, s'il ne Ouais. boit pas le revit, il ne doit même pas goûter le vin lui-même. Non, il doit goûter parce qu'il a fait kiddush. Seulement, quelqu'un d'autre, ouais, quelqu'un d'autre boit le revit. Avant qu'il passe à tout le monde, d'accord? Quelqu'un d'autre, il boit le. Quelqu'un d'autre boit le revit. Ça veut dire quoi Et en fait? Hein? il doit remplir encore le verre, ça veut dire. Pourquoi? Parce que s'il a fait qu'il douche et qu'il goûte,
Il n'est pas goum après le vin. Non, le din pagoum qu'on a dit, c'est faire kiddush sur un verre pagoum. Quand il a fait kiddush, le vin, il était bien. Quand il a Alors fait kiddush, ouais. pourquoi je dois remplir quand je vais donner aux convives quand moi j'ai bu réveillé? Si la personne a bu Revit, il a bu d'un verre qui n'est pas pagoum. Moi, que Revit, c'est pour me rendre quitte de la mitzvah. D'accord? Donc, le Mekadesh, lorsqu'il va commencer à boire, c'est pour se rendre quitte. Maintenant, il n'a pas bu comme il faut qu'un autre boive le Revit. Il faut qu'au moins qu'un autre boive à son le Revit. En fait, tu demandes comme question, je commence à comprendre la question. Le premier qui ne peut pas boire Revit, comment il goûte? C'est la question? Oui, c'est ça. Comment il goûte? C'est quoi la question? Quel est le problème s'il goûte? Problème, c'est que celui qui va boire est dit, il va boire dans un verre qui a été goûté. Il va boire dans un verre pagoum. Là, 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 là. Ouais, il boit dans un verre pagoum. Sans réfléchir. Passe à ta deuxième question et on va laisser ça de côté pour l'instant. Deuxième question, c'est Ouais. en général, ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait tourner le verre. Tourner le verre, Il faut ouais. le rem... Il faut le remplir à chacun avant qu'il boive. Et il y a des poskim qui disent que si on boit directement du verre, c'est pas considéré comme pagoum. Parce que c'est le verre lui-même, c'est le verre du Mekadesh. Donc à Kholiat, ça peut aider le. Ça peut, ça, je viens de me rappeler maintenant. Il y a des poskim qui disent comme ça. Quand est-ce que c'est pagoum si je verse ça dans un autre verre? Mais Ah. si le verre, c'est le verre du Mekadesh, et quand il a fait kiddush, il n'était pas pagoum, ça on peut goûter directement du verre. Moi, ce que j'ai parlé, c'est quand on verse dans des petits verres pour chacun. Ah, Là, c'est d'accord. voilà. Là, c'est bien. Donc, en même temps, on répond à la première question. Si une autre personne n'a pas bu Revit, d'accord? C'est-à-dire comme ça. Si la personne qui a fait kiddush ne veut pas tout boire, elle goûte un peu. Et elle passe à quelqu'un, pas pour goûter, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas goûter avant que le Revit soit avant qu'on goûte le Revit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer le verre directement à quelqu'un qui décide de boire le Revit. Et après, on partage. D'accord? Bon? Oui, d'accord. Encore une question, c'est bon? Je crois qu'il y a une question par écrit que quelqu'un a posée. Une seconde, ouais, je vérifie. Est-ce que si on ne boit pas de vin, on doit répondre Baruch Hu Baruch Shemo dans la bracha de Boré Peri à Geffen? Non, on peut répondre, oui, pas de problème. Si on décide de ne pas boire, le problème de Baruch Hu Baruch Shemo qu'on a évoqué dans les cours d'avant, c'est quand on se rend quitte d'une bracha. Mais si on décide de ne pas boire, donc je n'ai pas besoin de faire Boré Peri à Geffen, donc on peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo. Le Baruch Hu Baruch Shemo qu'on a parlé, c'était dans la bracha de Mekadesh HaShabbat. D'accord? Shomea Keone. Et là, on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemo, c'est quand je me rends quitte. Si je ne veux pas boire, donc je ne me rends pas quitte de la Geffen, donc on peut répondre. Et ça me fait rebondir sur une question. Ouais. Si moi j'ai pas bu du vin pendant le kiddush et qu'après à table je bois du vin, je dis Boré Peri à Geffen, si je me suis acquitté de. Non, on a dit ça. C'est Si, encore une fois, t'as pas Moti. goûté du vin avant? Non, parce que c'est celui qui a fait kiddush qui a bu le vin. Moi je suis invité. Et t'as pas goûté? Non, imaginons. Si t'as pas goûté, il faut faire à Geffen au milieu du repas, c'est sûr. Ah, d'accord. Ouais. C'est le Geffen d'avant le repas qui rend quitte le vin du milieu du repas. Mais si on n'a pas goûté avant, donc il faut refaire à Geffen. Il faut faire, ça ne faut pas refaire, il faut faire. Rav. C'est-à-dire, écouter à Geffen sans boire, ça ne veut rien dire. D'accord? Et pourtant, je m'acquitte du kiddush comme cela. Kiddush, tu rentres de Mekadesh à Shabbat, mais pas de la Geffen. Même si la Ah, personne d'accord. a fait à Geffen, ouais, à Geffen, c'est des anachos de Hana. Donc, Kiddush, il y a deux choses. Il y a et Hana et Mitzvah. Si on boit, il y aura aussi Hana et donc on s'en quitte. Si on ne boit pas, donc il n'y a pas de Hana, donc il faut faire après. Rav. Oui. Alors, juste pour résumer l'un des deux points. Si on verse dans des verres
pour chaque convive, à ce moment-là, il faut remplir le verre avant. Voilà. Et si on boit directement du verre, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de remplir parce que c'est le verre du Mekadesh. D'accord. Et ce qui est versé du vin avant le kiddouche, pour que chaque convive ait le vin devant lui. Ah, ouais, je connais Et ce vinaigre là. il y a la même chose quand on fait kiddouche à l'assina. On Ouais, prend je sais, je direct. sais. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il n'y a aucun lien. C'est comme ça. J'ai fait exprès pas parler de ça parce que je ne sais pas si tout le monde a le vinaigre, mais puisque tu en parles, en général, ça, dans les bêtes Knesset, c'est comme ça. Mais moi, je pense comme ça, je n'ai pas vu ça écrit clairement, mais comme ça, je pense qu'il n'y a pas, il y a aucun intérêt à verser chacun un petit fond de verre. C'est-à-dire comme ça. Si chacun a un verre avec un réveillite, alors c'est bon. Ça veut dire, il y en a un qui fait qui douche, tout le monde tient, comme on fait le soir du Seder, où chacun a ses croissants. Si chacun remplit un verre de réveillite, écoute le Mekadesh et boit, c'est bon. C'est bien ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est même pas des Mechavev Mitzvah, ça s'appelle que je fais qui douche. Plusieurs fées qui douchent. On a expliqué au début de l'Hilchot de Kiddush que le minhag, il est qu'une seule fée, une seule personne fée. Mais si tout le monde veut prendre un verre plein, réveillé, avec toute la halakhot du verre, toute la halakhot de vin, on peut, il n'y a pas de problème. Seulement en général, on distribue dans les bêtes Knesset des tout petits verres. Il n'y a pas réveillé là-bas. Donc c'est juste pour goûter. Quel est l'intérêt de goûter le vin qu'on n'a pas fait qui douche dessus, en fait? Donc il n'y a pas de chibouf mitzvah. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, si on veut goûter, il y a deux choses au Beth Knesset. Ou bien on ne goûte pas, on peut manger directement, s'il y a un petit apéritif là-bas, des gâteaux et tout, donc on peut manger directement sans goûter, parce qu'on n'est pas obligé de goûter. Ouais, si le Mekadesh a bu. Et si on veut goûter, alors on boit du Mekadesh lui-même. Ou bien on répare et on verse ça dans un verre, ou bien on boit directement son verre. Top. D'accord, merci. Dernier point. Ouais. Dernier point de Hilchot Kiddush. C'est une règle dans Kiddush qui rend le Kiddush valable, une condition, on a un peu parlé de ça tout à l'heure. C'est En Kiddush et la Bimkom Seruda. Ça veut dire qu'il faut que le Kiddush, on ne peut pas faire seulement un verre de vin, Kiddush et c'est tout, je m'arrête là. Il faut faire Kiddush à l'endroit où on mange et manger derrière. D'où ça vient ça? Les Chachamim, ils ont appris ça du Passouk. Les Karata, la Shabbat, Oneg. Karata, la Shabbat, c'est appeler le Shabbat. Ça veut dire parler du Shabbat. C'est-à-dire quand est-ce qu'on appelle le Shabbat? Quand on dit Kiddush, quand on fait Kiddush. Oneg, c'est manger. Donc puisque le Passouk, il a mis en même temps, Ve Karata, la Shabbat, Oneg, de là on apprend que le Kiddush, il faut que ça se fasse à l'endroit où on fait la Seruda. D'accord? Donc si, exemple, quelqu'un, il est au Beth Knesset, il écoute le Kiddush. Il dit, voilà, j'ai écouté, j'ai répondu Amen, j'ai pensé à me rendre kiff. Il veut rentrer à la maison, il ne peut pas directement attaquer sa Seouda, il faut qu'il refasse Kiddush. Parce que son Kiddush, il n'est pas valable, il n'y a pas de Seouda derrière. Bien fait. Maintenant, si quelqu'un a pensé à manger dans un endroit, et après, il décide que ça l'embête de manger à cet endroit, il veut manger dans un autre endroit. Alors, il doit refaire Kiddush. D'accord, Ah, pareil. Oui. juste par rapport au cas où, que vous avez donné avant, la Oui. personne qui a fait Kiddush à l'Assina, qui a fait Alamichia, qui a fait Mezonot et Alamichia, Ah, ça j'ai dit, non, il n'a pas fait Maisonnote. Mon cas que j'ai parlé, ah, il il a n'a fait pas quoi? mangé Maisonnote. Il a écouté, il a écouté le Kiddush, il a dit Amen et c'est tout, il est parti. Ah, d'accord. Non, parce que quand vous avez dit une Seouda, je savais pas si. Ah D'accord. oui, on va arriver à D'accord. ça. Mais Bien fait. s'il a fait Seouda, s'il a fait par exemple Seouda, s'il a fait Seouda, il n'a pas besoin de refaire Non, Kiddush. non. C'est-à-dire que si c'est Shabbat matin, c'est un peu les mêmes halakhot. Là, on empiète un peu dans le kiddush du Shabbat matin, mais sur ce point-là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait kiddush et il a fait Seouda, qu'est-ce qui s'appelle Seouda? Alors, c'est ou du pain ou bien des maisonnotes. Et on n'est pas obligé de manger 240 grammes. C'est pas comme le din, ouais. C'est pas comme le din de tout à Conseil. l'heure qu'on doit manger 240 grammes pour considérer le kiddush lui-même. On a fait le kiddush sur du vin. Seulement pour que ça s'appelle Seouda minimum, c'est 30 grammes de mézonote. Conseil. Gâteau, kadaït, ouais, de gâteau, de. Comme ça. Il y a même des avis qui veulent dire que si on boit un révit de vin, c'est considéré comme Seouda. Mais ça, c'est pas tout le monde est d'accord là-dessus.
Donc, le vendredi soir, là, à la halakha, si on n'a vraiment pas le choix, il faut boire un deuxième revit à part le verre du vin. Mais vaday que c'est vraiment Béchat Atrakdola. C'est la halakha, il faut kazaït, 30 grammes de mézonot, et ça s'appelle Seouda. Donc, si il a, au Beta Knesset, il a écouté le kiddush, il a pensé à se rendre quitte, et il mange kazaït, 30 grammes de mézonot, alors, ça suffit, il est quitte du kiddush, il peut rentrer à la maison. Si sa femme n'a pas de kiddush, qu'est-ce qu'il fait? Il refait ou il ne refait pas? Oui, il refait. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, ce n'est pas très précis. Si sa femme, elle sait faire kiddush, c'est mieux que la femme, elle fait. Ah oui. Pourquoi? Parce que pour rendre quitte quelqu'un à Medina Arvout, c'est seulement si les khatrila, ouais. Mais Diavad, il peut faire. Il peut la rendre quitte et tout, il n'y a pas de problème. Mais les khatrila, c'est bien de rendre quitte seulement si la personne ne sait pas lire. Mais si sa femme, elle sait lire, elle sait faire le kiddush, et que lui a déjà fait, et qu'il a déjà fait une kazaï de mesonote, alors c'est mieux qu'il dise à sa femme de faire kiddush. Ouais. Les khatrila. Pour la rendre quitte, il peut la rendre quitte. Mais c'est bien les khatrila que de rendre quitte que quand quelqu'un s'est déjà rendu quitte. Pour rendre quitte quelqu'un d'autre, c'est bien que dans un cas où la personne ne sait pas lire. Il ne sait pas faire kiddush, il ne sait pas lire les mots, il fait mal faire le kiddush. Et si sa femme, elle sait très bien faire le kiddush, et que la personne a déjà été rendue quitte, c'est bien qu'elle, elle fasse, et pas lui. Donc, je vois qu'on n'a pas le temps de terminer, de clôturer tout le... On va voir, il y a toutes sortes de personnes qui veulent changer de pièce. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si quelqu'un veut manger dans le jardin, après le kiddush, est-ce qu'il peut? Ça dépend de ce qu'il a pensé ou il n'a pas pensé. Je vois qu'il y a beaucoup de détails, donc on va laisser ça Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Et on entamera, on fera juste ce petit point-là, et après on entamera les halakhot de... Seoudot de Shabbat, d'accord, du repas de Shabbat. Et trois Seoudot de Shabbat, on continue dans la journée du Shabbat. Tout voilà. Merci Rav. Bonne merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Shabbat. Shabbat.